Salut à tous et à toutes, ici Mister Zombie Mort et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 sur Ni no Kuni en compagnie de Mrs. Zombie Mort. Bonjour à tous. Ah donc il fallait qu'on parte chercher la baguette que Pacha le chat devait nous redonner. Il nous avait demandé d'attendre une journée, donc voilà, donc on a bien dormi. Maintenant on se lève et on va aller chercher la fameuse baguette. C'est pas par là. C'est ce que je me disais. T'as même pas regardé sur la carte. Non. Sujet syndication, je regarde pas. L'indication a indiqué le nord, et puis c'est marqué Gwen. Non, mais sûr que c'est la même chose. Ah, c'est pas la même lettre, hein. Moi, c'est la même chose. N est pourtant avant S pour l'alphabet. On s'en fiche un peu. On n'est pas là pour parler de l'alphabet. Voilà, donc. Le chute. Tout le monde dort. Alors, on parle au chat, machin. Il n'a pas l'air d'être là d'ailleurs. Il n'y a qu'un garde. C'est vous, monsieur Stolivé. Il faut que vous fassiez quelque chose d'affreux. Je peux pas être, me dites pas que le roi Sacha a de nouveau le cœur brisé. Non, non, le cœur de sa majesté, ni ajusté, et entier, enfin, dernière nouvelle. Après avoir récupéré son enthousiasme grâce à vous, sa majesté, miaou, gesté, a décidé de retourner sa baguette pour vous la donner en guise de récompense. Il était même si déterminé qu'il a dit qu'il la chercherait tout seul. Putain, quel saligo. Bah quoi, c'est plutôt une bonne chose, non? Il est où là le problème? Sa main ajustée a disparu. Quoi? La carte ne peut quitter Carabas, mais on ne trouve nulle part. Il y a une aiguille sur mon petit lit. Eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, hein. C'est quoi, monsieur Lumi? Enquêter, bien sûr. Bon, monsieur, bas du casque. C'est pas mal. Toi et tes copains, vous gardez un œil sur le château pendant qu'on va chercher un indice. À vos ordres. Mais où est-ce qu'on va chercher, monsieur Lumi? T'inquiète, mon petit Oli, tu connais l'endroit où on va y aller. Tu le connais très bien, même. Viens, je vais tout t'expliquer dehors. D'accord. Non, mais je vais pas tout lire. C'est la folie, hein. Zen. Le roi a disparu, attention. Oui. Tu connais très bien, gros malin. Motorville? Mais quel rapport entre Motorville et le fait de le roi? Les réponses ne sont pas toujours ici, mon petit Oli. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'as pas eu le droit à une seconde chance. Non. Nous le voyons dans ce monde et ça représente toujours dans la réalité. Voilà, faux. C'est quoi l'histoire de la seconde chance là? J'en sais rien du tout. Réfléchis, tu vois? Ils demandent de réfléchir en plus. Ah là là, ça dit go. Ma maman. Roxane. Libère Roxane. Sphère, pouvoir, monde, d'accord. Ça va plus vite à lire comme ça. Expliquez, Lumi. Je, pas. Hein? Personne, monde, mien, tout, monde. Maman. Tu veux pas non plus placer beurre, hein? Beurre. Non. Vraiment alors? Ah oui? Margarine. Totalement d'accord avec toi. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Tu fais la même chose et tu lis. Hein? Bon, le chat, c'est plus le roi, ça va, ce n'est pas forcément le même salut tout d'abord. Manque l'articulation là. Ah non, mais c'est justement, mais tu crois qu'il a des articulations toi, Lumi? Ouais, on le sait. Mais ça, c'était Oliver, ça. Ah ouais, mais Oliver, il a pris un accent là. Non, je fais, non, je m'en sers. Oh yes, oh good. Oh, take it for me, oh yes. Hein, what? ouais. You speak English? Oh yes, me, speaking French. Oh yeah. Oh good. What? Can you raise the airport?
Arrête. J'ai perdu mes shoes, où sont-elles? Moi j'ai perdu ma lanterne. Ah mais non, le bout de mon nez. Mais oui, tu l'avais pas vu, regarde. Tu sais que moi ce que je vois, c'est qu'il y a un pigeon qui nous observe depuis tout à l'heure. Oh, je vois ça aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Grin. Oh, attends, c'est grin. Grin. Oups. Et le gros bonhomme là qui fait que marcher depuis tout à l'heure. Bah, c'est toujours mieux qu'un pigeon qui gringrine toutes les deux secondes. Ouais, qui gringrine toutes les deux secondes. C'est comme le chat qui est sur le rebord là-bas du mur. Là. Il y a un torticolis à force de tourner la tête à gauche. À droite. À gauche. À droite. Ah y est, tu vois, on a fini de causer, il a fini de faire son pli. Ah ouais, et le pigeon il est parti. Mais c'est bien ce que je Quelle saloperie, ce pigeon. Voilà. Oh, dans son portail. Encore un Motorville. Écran de chargement. Fin du chargement. Rapide le chargement. Ah oui, rapide le chargement. Attends, c'est quoi la carte déjà? Ah, c'est ça. Bon, ça va, on n'a pas loin à aller. Alors pour ceux qui écoutent plus, qui lisent les dialogues... là, on est parti chercher le roi Pacha dans notre monde, donc savoir quelle est son âme sœur. Et l'âme sœur du roi Pacha, bah, c'est forcément le chat de la femme qui est là, parce qu'il lui ressemble énormément. Crucial, parce que tout est crucial. C'est un grand cru. Non, c'est crucial. Elle a tellement de nourriture que ça me donne faim. Et tu sais c'est quoi son aliment préféré à sa femme? Je sais plus. Le fromage. Ah oui, c'est vrai. C'est pas moi qui irai l'embrasser, hein. Non, je pense qu'elle doit avoir une bonne haleine de camembert. Dis-moi, t'aurais mangé du chèvre, là? Non, j'ai mangé du comté. Roquefort, y a pas plus fort. Oh, quand ouvre la bouche, si, hein. Je me rappelle pas, il est dans le garage. Bah non, je me rappelle pas, c'est pas moi qui l'ai fait cette partie. Ah bon, tu l'as pas fait cette partie? Non, c'est toi. Tu vas te faire écraser. Bah, c'est pas grave. La voiture, elle nous écrasera et puis. On ressuscitera. J'ai la même dans GTA. Aussi vive et colorée que ça? Non, pas aussi vive et colorée que ça. Elle est blanche, la mienne. Bon, d'accord, je vais pas bien les voir. Je suis désolé que tu sois tout seul. Ta maman. Tu es au courant de ça? Quand ma maman est morte, je pensais qu'elle était partie à jamais, je croyais que j'allais rester tout seul. Mais maintenant, je sais que tu peux l'aider. Je peux l'aider. Oh là là, je parle pas très bien la France, je suis juste finir ce que j'ai commencé. Crotte de bouse, hein. Oh, je voulais te demander, cette baguette, c'est celle que j'ai trouvée, tu l'as laissée pour moi? Sans elle, je ne serais jamais allé dans l'autre monde. Peut-être que tu ne sais pas de quoi je parle, mais sans cette baguette, je serais encore tout seul. Vraiment. On n'a pas l'air con de se dire vraiment, là. Tu crois qu'il faudrait pas plutôt que t'ailles sauver ta maman, hein, Oliver? Ouais, je pense, peut-être. Mais je connais même pas ton nom. Je m'appelle Lena, et je connais le tien depuis toujours. Hein? De quoi depuis toujours? Lena, c'est comme ça que tu t'appelles? Et t'es qui, Lena? Oui, Lena. Lena, comme... Lena... J'ai pas de rime, là, qui vient en tête. Monsieur Minou, je connais Monsieur Minou. Ah bon? Et il est où? Je vais te conduire à Monsieur Minou. Oliver, suis-moi. Ok.
Il a parlé de Pacha, ben forcément qu'il a parlé de Pacha. Et qu'est-ce qui viendrait foutre le chat de chez nous, dans notre maison, hein? Des jours c'est moi. Non, bah c'est le c'est jeu. Un chat, ah, c'est pas c'est... logique un chat. Hein, c'est pas logique un chat. D'ailleurs, sauf certains, les nôtres. Quand on parle de chat, on voit les deux nôtres. Hein. Pauvre la tête vers le carreau, à regarder dehors. S'il te plaît, Nina, pourrais-tu me montrer mon montre? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien, mon petit Oli? Bah oui, lui, il le voit pas, forcément. Et figure-toi que ça, ils s'en rendent compte que. Oh, botte d'achat le beurre, très loin dans le jeu. Mais c'est qu'elle court plus vite que moi, hein. Ah, bah qu'est-ce que tu crois? Elle a mangé du lion. C'est pas plutôt une gazelle qu'elle a mangé? Je sais pas, mais c'est vrai qu'elle mange vite, hein. Marche vite, pardon. J'ai fait du lapsus. Oh là là, regardez là, elle a même le temps de s'arrêter pour fumer une cigarette que t'es pas encore arrivé, quoi. La peau, ne la pervertis pas, la cigarette. Regarde, t'as vu, elle s'est arrêtée quand même. Sympa la petite souris. Bah, elle a encore disparu. Ouais. Et le chat est limite plus gros que Lumi, mais c'est pas grave. Heureusement qu'on doit pas transporter une voiture. Hein. Ça doit faire bizarre aux gens, puisque censément ils peuvent pas voir Lumi. Ils doivent voir un chat qui vole. En vrai. Le chat, il vole. Et ça surprend personne, tu sais. Non, c'est un chat volant. Camionnette rouge brillant. Hé, hey, j'ai dit qu'on rentrait. Ah, mais tu sais, des fois, il faut frapper bien à la porte. Tu vois, elle est trop occupée à te manger son fromage. Est-ce qu'il t'est arrivé? Bah, je me suis fait tromballer par Lumi. Non, il a mangé une souris pas comestible. C'est quoi ce qu'il y a dans l'assiette? Je sais pas, mais ça a pas l'air d'être quelque chose de comestible. Comestible, c'est comestible, mais dans la table. C'est comestible. Stible, ouais. Oh là 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 là. Oui, tout est bien qui finisse bien. Oui, je sais, on l'a retrouvé. Maintenant, il faut aller chercher le roi Pacha. Et oui, tu as raison, il a dû se cacher, il a dû poursuivre une souris. Ben oui, c'est ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Eh bien, Lumi, on va aller à Carabas. Comment il s'appelle, le nom du peuple? Carabas. Carabas, allez. T'as rajouté je sais pas combien de trucs, là. Oui, portail. Carabas et Bolas. Hein? Ce que j'aime bien, c'est qu'on s'est quand même déplacé de quelques mètres. On va prendre portail et on s'est pas déplacé de quelques mètres dans son autre monde, on va réapparaître
devant carrément là. Ah oui non, mercredi. Ah non, on est mercredi aujourd'hui. Bah oui. Justement. Cette vidéo ne sortira que samedi. Trois jours pour préparer, pour enregistrer, pour bien visualiser, pour faire que tout aille bien et tout. Ça va être long. Ça va être très long. Il y a beaucoup de monde de sortie, hein. Mmh. Tout le monde recherche le roi. Oh, qu'est-ce qu'on va gagner là, le Tourist City? Je sais pas. On verra. Il a des puces. C'est un singe croisé avec un chat. Non. Eh bien, appelle-le comme tu veux. T'as 2 minutes pour le nommer. Suivez-vous. Appelle-le comme tu veux. Voilà, bah voilà, bah ça vaut. Voilà. Ça vaut bien. Oui, ça vaut bien. Et ça vaut bien. Oui, ça vaut tranquille. C'est le nouvel langage des jeunes d'Oliver. Il y a toujours quelque chose à nous apprendre, curieusement. Ah oui, toujours. GG, on a gagné un familier qui s'appelle Sao. On va faire crochetage pour voir la sortie. Oh, il aime pas avoir les pieds dans le lit, hein. Ouais. Punaise, mes belles pompes. Une nouvelle peau. Ah, nous allons entrer dans ce tunnel noir, glacial et torride. Torride? Comment ça peut être torride si c'est glacial? Épreuve le soleil, crochetage, compris. Merci de me péter le mot.
c'est bien, c'est au moins ça nous dit qu'on peut. Ah, interlude musical. Carambas, quiconque risque de se faire bêter. Nom d'une fée, c'est timide comme tout. Ah bah voilà, bah, ta lanterne va tout moisir. C'est sur le début de ce labyrinthe que nous allons quitter. Nous allons quitter sur le début de ce labyrinthe qui est quand même assez long. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de carte. L'étoile, elle est très très haute. Ah ouais. Elle est très très haute, l'étoile. Donc, c'est un virage à droite. c'est un très grand labyrinthe. Il y a quelque chose technique à faire et tout. Donc, je vais faire l'épisode 6 entièrement consacré que à ce labyrinthe, donc on ira tuer tous les mobs, on ira faire toutes les choses, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, enfin vous a plu forcément, puisque je peux pas dire vous plaira puisque vous avez déjà vu, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, ça me ferait plaisir, parce que j'en ai publié déjà 4 vidéos et j'ai toujours pas eu un seul commentaire, donc vas-y, lâche-toi sur celui-là, mets-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Un petit pouce vert aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis j'espère que l'épisode suivant te plaira. Là je peux le dire. Sinon je vous dis tchuss tout le monde, à la prochaine, bye bye. Et je laisse le petit mot de la fin pour mesdames zombies. Mesdames, parce que j'en ai plusieurs. À la prochaine tout le monde. Tchuss.